chercher les tigres. Repris par Kingsley. Son dégagement qui rate. Attention, McDonald's. Son lancé. Arrêt de Gabriel Dell. Immédiatement, on pointe au main de Matteco. Remise dans l'enclave. Faible tir du revers. Là. Arrêt. De... On les voit en reprise. Ils s'amusent en territoire des tigres. En fait, là, c'était pas ceux-là qui étaient là. Celle-là, c'est Cournoyer qui est allé d'un bon tir du revers. Plusieurs arrêts de. Des C-Dogs, tous à la rondelle sur cette unité. Les deux autres joueurs se retrouvent à la ligne. Attention, Burns, c'est dangereux. Devant le filet, le tir. Et quel arrêt de Gabriel Deck. Porté par les Tigres. La Rose attire un joueur vers lui. Remet vers P.O. Roy. S'avance vers le filet. Le tir, l'arrêt. Le retour. Et bel arrêt de Bruno. Qui quitte le territoire. Et P.O. Roy vient reprendre à sa ligne bleue. Passe à Pellerin. Pellerin, transversal. C'est bien fait pour Sullivan. Sullivan remet devant le filet. Le tir. Et voilà le but. Thomas Bellegarde. Adverse, un but extra d'avantage numérique, une savante passe en entrée de territoire et les Tigres prennent les devants 1-0. Vous savez que ...17-19... affaire à la deuxième période, c'est Sullivan qui a tiré. Un défenseur vers lui s'est complètement moqué du défenseur pour remettre la rondelle de l'autre côté. Cormier arrêté en entrée de territoire. Pellerin qui perd la rondelle. Attention, les tirs s'amènent. C'est Pellerin entre les deux défenseurs. Sorti. Voilà la Rose. La Rose, une belle fin. Amène la rondelle plus loin. C'est conservé par Belzile. Beau travail. La Rose, le tir. Voilà les deux. Juste la Rose. Oh, il a senti l'ouverture. Un tir précis qui bat le gardien. Brideau sur sa droite. Et c'est 2-0 les Tigres. Alors une entrée de territoire difficile. Rondelle conservée par Belzile. La Rose qui lui... a senti qu'il avait une chance de battre le gardien. Reynolds devant pour Burns. Devinez. Il attendait la ligne bleue. Tente de remettre à Reynolds. C'est raté. Attention, revirement chez les tirs. C'est Bellegarde qui s'échappe. Bellegarde tire du revers. Bel arrêt du gardien. Reste derrière le filet. Attention, c'est Bellegarde qui réussit. Aider le roi à garder son adverse. Attention, Cormier dans la classe. Sortir. Voilà le but. Tommy Cormier. Un retour qui est apparu sur le bâton de Tommy Cormier. Ça a été bloqué par Pilotot devant le filet. Et les Tigres font 3-0. Tout langage corporel de la part de Burns qui laisse montrer son insatisfaction envers ses coéquipiers. On a raté une belle chance en territoire des Tigres. Les Seahawks ont raté un filet ouvert. Voilà la Rose. En se retournant, laisse derrière le filet pour Richer Paul. Arrêté par Akko. On est en train de contrer avec le ciel. Richer Paul qui a dessus pour la gardienne. Voilà le but. Nikita Richer Paul. C'est 4-0 les Tigres. Le tourniquet de derrière le filet. Tout ça a débuté derrière le but avec un contact avec l'officiel. Ça a permis l'ouverture. Richer Paul contourne le filet et là, il faudra revoir la reprise derrière le but. Ah oui! Roy, derrière le but. Richer Paul voit mis directement dans l'enclave. Attention, le tir. Et qu'est-ce qu'on est venu faire comme arrêt? Gabriel Tegg qui vient sauver les meubles! Aïe, aïe, aïe! Comment il a fait pour arrêter ce lancer? On verra le tout retour de la pause. On va le revoir immédiatement. Comment il a arrêté ce lancer? Avec son bloqueur! Ça, c'est un digne de jeu de la semaine. On va passer à la pause. Mise devant le filet, P.O. Roy. Il voit la rondelle sauter tout son bâton. Il s'est avancé au gardien. Voilà Reynolds qui reprend. Reynolds.
par la rondelle. Attention, là, échappé, c'est Bellegarde, complètement seul devant le gardien. Bellegarde sur tir, et voilà le but en désavantage numérique. Thomas Bellegarde, le 5-0. Hawaii. On a un coup de mollet chez les Sea Dogs. Passe en retrait. Bellegarde. Déjoue le gardien. Les enjeux remportés par les Tigres. Loin, saute sur la rondelle. Réussit le dégagement à l'autre bout. Longue sortie du gardien, Brideau. Ok, Capoy avec la rondelle. C'est libre devant. Voilà le but. Bellegarde. C'est 6-0. Le gardien Olivier Brideau a cafouillé avec le 10, a laissé libre à Loïc Degg. Et les Tigres font 6-0. Pour lancer, l'entraîneur des Sea Dogs, là, mais les Burns et Renault. Ça touche le patin de Mainville, c'est dévié plus loin. Encore 2 minutes 13 à l'avantage numérique. Grossman, tire sur réception, bloqué par Vigneault. On tente de surprendre le gardien. Est-ce qu'on a marqué, là? Il a semblé avoir effectué l'arrêt, mais par la suite, s'est retrouvé dans le fond de son but. On va revoir. Les tirs en avance, 6-0. Laforge envoie le rondelle le long de la rampe. Reprise par Goriana. Pénalité terminée. Jeu qui est intercepté. Plichépov alimente. Pellerin, on est à 2 contre le gardien. Goriana, et voilà le but! 7-0! Alors que Pellerin quittait le banc des pénalités, il est allé d'une superbe passe à sa droite pour Goliana, une passe du revers. Et les Tigres font 7-0 avec moins de 5 minutes à jouer. Et ils s'en marquent des buts cette fin de semaine. Au Colisée des Jardins.